Ah, ça devrait fonctionner maintenant. Vincent, je vais aussi t'inviter. Oh, ok, super. Je commence à m'inquiéter. Alors, merci à tous d'être là pour ce nouveau Bourbier cette semaine. Je vais inviter déjà sur scène Vincent. Et puis, on va pouvoir commencer une belle discussion au programme La Vision Produit aujourd'hui. Bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour, super. Bienvenue à tous à ce nouvel épisode du Bourbier. On est pile à l'heure, même pas de soucis techniques. Voilà, super. Évidemment, c'est encore une fois cette semaine un format sur lequel on a voilà, décidé d'inviter une personnalité de l'écosystème produit qui va nous partager notamment justement une expérience qui a été difficile, mais justement face à laquelle Vincent a pu trouver des solutions, en a tiré des enseignements, et on va essayer de tous profiter de tes apprentissages aujourd'hui, Vincent. Merci beaucoup d'être là. Et pour les participants, vous aussi, merci encore d'être là. Il y en a qui, de plus en plus, voilà, c'est notre 8e session, on voit des habitués qui commencent à venir régulièrement, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui connaissent pas les règles, entre guillemets, n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit sur l'onglet chat ou questions. C'est toujours plus pratique si vous posez via l'onglet questions, comme ça nous permet de trier un peu les questions. Et moi, ce que je vais faire avec Vincent, c'est que Vincent, lorsque tu partageras ta présentation, sache que moi, parfois, je vais rebondir un peu sur ce que tu dis et puis transmettre les questions du public pour que ce soit un maximum fluide. Merci encore. Et puis, Vincent, je te laisse la parole pour que tu te présentes et qu'on arrive sur le dur du sujet. Yes, c'est parti. Donc, bonjour à tous, merci de m'avoir invité pour cette édition du Bourbier. Effectivement, aujourd'hui, on va parler globalement de la vision produit et comment. Vous voyez bien mon écran, c'est OK? La C'est bon. manipulation? Ouais, super. Super. Donc là, on voit plutôt un CE. C'est En parti. plus, là, on est sur du L'Oréal, alors j'attends un slide deck d'autre niveau. Il y a du slideware. Il y a du slideware, ça va être fou. Donc en fait ouais j'ai été invité pour parler d'une expérience qui a été assez intéressante chez L'Oréal. Où je vais rentrer dans le détail de tout ça, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Vincent Bézard, je suis le programme directeur sur le D2C e-commerce pour le groupe L'Oréal. J'ai à ma charge j'ai à ma charge un framework en fait e-commerce qui est utilisé par la plupart de nos marques pour travailler leur e-commerce D2C sur le niveau des pays. On est à peu près à 180 sites qui aujourd'hui tournent sur le framework. On est en phase de migration, on passe d'une V1 à une V2 hein, globalement. C'est très très challenging et vous allez vite comprendre pourquoi dans l'explication qui va suivre. Je suis ravi de présenter ce bourbier. J'adore le nom, ça me fait beaucoup rire. Effectivement, c'est comment on arrive à entretenir une vision produit dans un environnement versatile. Donc versatile, c'est important de le définir. On n'est pas versatile par rapport à l'organisation hein, du groupe L'Oréal, c'est pas vraiment ça. C'est l'environnement e-commerce hein, qui est très versatile. On l'a pu le constater avec le Covid hein, globalement. Il y a 2 ans, le D2C chez L'Oréal était une priorité, mais c'était pas forcément là où les efforts étaient le plus mis. Et globalement, depuis le Covid, il y a une vraie ambition sur l'e-commerce et donc toute une organisation à transformer. Et nous, on fait partie de ces acteurs-là, donc mon équipe et moi-même, pour accompagner cette transformation et cette accélération. Mais avant ça, on va revenir un peu en arrière. Je vais vous expliquer un peu le contexte et poser en fait les bases de comment l'erreur est arrivée, comment l'échec entre guillemets est arrivé, parce qu'il faut le nommer, il faut le nommer ainsi. Donc j'ai été nommé en juillet 2018 Head of Product sur le framework e-commerce D2C. On a plus de 200 stakeholders et c'est un produit B2B2C. Je m'exprime, c'est qu'en fait nos premiers utilisateurs ne sont pas des utilisateurs réels qui sont dans nos marchés, mais ce sont nos stakeholders au niveau du groupe. Donc, on a des marques, on a des zones, on a des pays.
On a potentiellement du corporate, on a énormément de personnes, et au moment où je suis arrivé, on avait identifié à peu près 200 stakeholders, donc il y avait 200 personnes qui étaient capables de donner leur avis sur le produit et de prioriser plus ou moins les éléments qu'on allait développer. Et au final, à partir du mois d'août, je m'aperçois très rapidement qu'on a quand même un pain point, c'est le modèle de priorisation. Le modèle de priorisation chez L'Oréal, au moment où j'ai pris l'équipe produit, il faut savoir qu'avant, on était organisé en projet. Donc pour nous, la différence entre produit et projet, c'est le projet a une date de fin et en fait, on définit un rétro-planning et on doit aller délivrer le projet, entre guillemets, dans ce laps de temps. Et derrière, on passe à une maintenance, mais une maintenance corrective et pas trop de maintenance évolutive. Alors que chez nous, le produit, c'est on n'a pas vraiment de date de fin, donc on n'a pas un produit fini à 100%. On est plutôt sur du modèle de MVP, d'itération, etc. Vous savez tout ça. Et c'est assez nouveau en 2018 chez L'Oréal. Et globalement, ma mission en première, c'était de monter une équipe produit, donc avec un mindset produit et passer du mindset projet au mindset produit, sachant que je ne fais aucune différence qui dit que le produit, l'organisation produit est meilleure que l'organisation projet. Je pense que des softwares sont mieux en organisation projet, là où d'autres vont être mieux en produit. Tout dépend vraiment de l'objectif de ce qu'on veut délivrer en premier. Donc il n'y a pas de dire ouais, c'est vachement mieux, on est en produit, c'est génial, on fait de l'agile, on est content. Non, c'est pas vraiment ça. On utilise ça parce qu'on en a un vrai besoin et on a utilisé ce framework agile parce qu'on en a vraiment besoin sur notre modèle. Chez L'Oréal, on a plusieurs modèles. Donc bref, en août 2018, j'identifie un pain point, je regarde comment mes équipes fonctionnent, je viens de récupérer des équipes et en fait, je vois que la priorisation, globalement, c'est tous les besoins viennent en général par mail, c'est pas forcément formalisé. Il n'y a pas forcément de business case qui sont clairement définis. Il n'y a pas de problème identifié dans le besoin. Ce sont des besoins ad hoc. On rajoute en fait des éléments, mais ce n'est pas lié à une étude préalable, qu'elle soit comportementale, qu'elle soit quantitative, qualitative, peu importe. Et finalement, tout le monde arrive avec un peu son envie du moment. Et au final, c'était assez compliqué parce que on se disait, mais comment on va arriver à créer un core modèle donc que tout le monde puisse utiliser quand on a plusieurs métiers qui sont capables d'émettre un besoin et qu'en fait, ces besoins peuvent parfois rentrer en conflit. Qu'en fait, on peut avoir un pays qui va dire, oui, mais moi, en fait, je veux tel feature ou tel improvement parce que ça va améliorer tel élément. Et de l'autre côté, on va avoir une marque qui va dire, ouais, mais moi, en fait, j'ai envie de créer ça parce que j'ai un lancement de produit, etc. Donc, on peut rentrer parfois en conflit d'intérêt, entre guillemets, entre différents métiers qui, en fait, ne font pas le même métier à terme, mais par contre, qui ont les mêmes objectifs à la fin, c'est de faire du D2C, du commerce. Et nous, en fait, on se retrouve au milieu de ça, et on doit prioriser. Ouais, dis-moi. Vincent, avant d'avancer, peut-être juste pour reclarifier un peu pour tout le monde tous les éléments de contexte, j'aimerais bien que tu puisses nous. Alors, tu parlais du framework justement e-commerce D2C. Est-ce que tu peux nous parler de ce framework peut-être plus en détail? Donc, si j'ai bien compris, tu étais dans on va dire un écosystème plutôt habitué au mode projet. Là, tu as mis en place un framework agile. Je voudrais bien que tu puisses nous le détailler, qu'on arrive à se visualiser un peu comment ça se passe. Et surtout le produit. Il y a certaines informations qui sont confidentielles, donc on ne va pas rentrer Ah dans un oui. très grand détail, mais globalement, il faut imaginer, en fait, le framework, ce n'est pas forcément le framework de la méthodologie, hein, c'est l'outil en lui-même qui nous permet de déployer des sites e-commerce. Ce que je peux dire, c'est que L'Oréal est basé sur la solution Salesforce Commerce Cloud en tant qu'e-commerce. Donc nous, on ne fait pas de l'application, hein, on n'est pas vraiment sur l'application, on fait du web, du site web, et notre produit est un produit web. Le framework qui est là, en fait, c'est une surcouche à Salesforce Commerce Cloud qui permet d'onboarder, enfin, de prendre énormément de features au préalable. Et après, les marques ont juste besoin de venir skinner ce framework. C'est comme un pré-template. Enfin, vous connaissez D'accord. WordPress et tous ces trucs-là. En WordPress, vous avez des templates classiques de blog et après, vous achetez un template ou là, vous buildez un template de zéro. Bah, nous, en fait, on a créé un template marque blanche qui permet à toutes les marques d'utiliser des features de façon out of the box. Donc, elles sont déjà présentes et du coup, elles n'ont pas besoin de développer à chaque fois la feature par marque. L'ancien framework, avant, était comme ça. En fait, chaque marque avait son propre code base, sa propre code base
et venait en fait injecter une nouvelle feature. Ce qui fait que quand une marque développait une feature dans leur framework à elle, si une marque était intéressée par cette feature, ben, on devait repartir à zéro, donc en mode projet. D'accord. Là où le framework qu'on utilise, c'est un design system. On est en marque blanche. Le site est fonctionnel, donc on peut déjà le tester. C'est plus qu'un prototype en fait, hein, c'est testable. On peut aller en end-to-end, donc on peut passer une commande. Et après, les marques viennent y appliquer en fait leur layer de marque, donc la bonne expérience, tout ce qui est contenu, style guide, etc. Donc, en fait, nous, on a construit, on est en charge du framework en fait entre la marque et SFCC pour D'accord. faciliter. Ah. Et aussi pour être sûr d'avoir bien compris, donc justement pour les participants, quand Vincent nous dit qu'il a 200 stakeholders, j'imagine que ça veut dire potentiellement 200, alors ça peut être régions différentes de L'Oréal ou marques différentes qui vont te dire, ah mais moi en fait sur le site en marque blanche, j'ai quand même besoin de ce truc en particulier là, ou d'autres qui vont te C'est ça. dire, non, moi, je voudrais plutôt ça. Donc l'enjeu de priorisation, il est finalement énorme pour pas justement rebasculer sur du... quelque chose d'immaintenable en fait, où on va faire du particulier pour tout là. Les C'est ça. C'est qu'en fait, on est sur un core model, donc on est obligé de maintenir un core model qui soit stable pour plusieurs régions. Donc on peut pas, par exemple, dans notre modèle, on s'évite d'avoir du spécifique pour un seul pays. Ce n'est pas l'objectif, en fait. Tout le spécifique doit être porté par le pays. Et nous, en fait, on essaie de mettre à disposition un maximum de features qui peuvent être déployées partout dans le monde, donc avec une échelle de scale assez importante. Et donc, quand je dis qu'on a 200 stakeholders, ça veut dire qu'on a à peu près 200 personnes, donc 200 entités, business units, peu importe comment vous les appelez, marché, marque, etc., qui sont capables de faire un be d'émettre un besoin et de dire, moi, j'ai besoin de ça dans la marque blanche. Voilà. Ok, super. Donc je continue ma petite histoire. Septembre 2018, je me pose et je me dis, mais en fait, j'y connais rien en produit. Donc là, c'est le côté un peu. Moi, à la base, je suis e-commerce manager. Je gère des sites e-commerce de façon opérationnelle. J'ai un gros background de projet, mais en fait, tout ce qui est agile, produit, etc., c'est pas quelque chose que je comprends parce que c'est quand même beaucoup de bon sens là-dedans. Mais en fait, il y a quand même pas mal de mots-clés, de méthodologies qui existent. D'ailleurs, on peut vite, vite, vite s'enfermer dans ces méthodologies-là et de jamais en sortir en essayant d'appliquer la meilleure recette. Je pense à Spotify, par exemple, qui est une des plus connues. Et au final, je me suis mis à lire, à lire, à lire, à lire, à me reposer de temps en temps, comme vous pouvez le constater. Et du coup, je me suis auto-formé en fait au produit, à la philosophie produit, comprendre ce que ça voulait dire, comprendre les enjeux, comprendre aussi la partie philo-produit, mais dans un monde agile aussi, parce qu'on peut faire du produit sans forcément être agile. Les idées commençaient à arriver, je commençais à avoir un petit peu près à peu près ce que je voulais faire et j'ai commencé à essayer d'appliquer une recette sur l'idée que je m'étais faite. Donc c'est ce qui est arrivé en décembre 2018. On a réussi à définir cette solution en disant bah voilà, comment on fait pour prioriser? On va essayer de mettre tout le monde autour de la table avec un outil de visualisation de la priorisation et du poker planning avec les 200 stakeholders. Donc on l'a pas fait sur 200 stakeholders, hein, vous imaginez bien. On avait choisi 50 stakeholders. Donc là, je parle vraiment d'une personne unitaire. Hein, donc c'est une personne, pas forcément une équipe, qui avait la possibilité de prioriser les besoins les plus importants. Donc c'était basé sur un scoring en Fibonacci, donc 0 à 144. Et chacun disait, bah en fait, moi je vais aller mettre un bet sur telle feature plutôt que celle-ci, etc. Une question. Je me permets, comment tu arbitres entre les 50 élus qui ont la chance d'avoir un avis et les 150 que tu Les consultes? élus. C'est le volume de chiffre d'affaires. D'accord, ok. Pertinent aussi. C'est globalement volume de chiffre d'affaires par pays pour les stakeholders pays, volume de chiffre d'affaires sur les marques pour les marques. Et Et pareil pour les autres.
Est-ce que tu as un conseil à nous donner? Parce que moi, c'est vrai que l'ordre de grandeur là de stakeholders, il y a vraiment beaucoup à apprendre. Peut-être comment tu gères la friction? Peut-être que ça peut générer des gens qui vont se sentir pas consultés pour raison de CA. Est-ce que c'est arrivé? Comment tu as géré? Bah, ça fait partie de l'échec, donc je vais y venir. Ah, d'accord. Je vais y venir. C'est la base du contexte, c'est quand même d'expliquer l'échec. Donc là, je suis en train d'expliquer où ça a foiré, en fait. Ok, d'accord, je te laisse Donc alors. je vais y venir. Je vais y venir. Donc effectivement, donc beaucoup de stakeholders, et on est quand même sur un mode de priorisation qui est assez émotionnel ici. C'est-à-dire que le poker planning, techniquement, c'est à partir du moment où on donne une liste de features, on va dire features A, features B, features C, et le moment où on l'a commencé, on avait une liste de 80 éléments dans le backlog. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, on en a plus de 1000 d'éléments qui ont été priorisés, mais au moment où on a commencé, on n'avait que 80 items dans notre backlog qui pouvaient être priorisés, entre guillemets. On parlait pas d'improvement, on parlait que des new features. Et du coup, on demandait, on faisait des meetings mensuels, voire trimestriels, on demandait à chaque stakeholder de venir mettre un scoring sur 80 features. Vous voyez où je veux en venir. C'était assez compliqué. Et donc, au 1er janvier 2019, nous, on était à fond parce on venait de faire l'outil en lab, on était hyper contents, on avait commencé à tester notre outil de visualisation, etc. Mais on ne l'avait pas testé en grandeur nature avec des vrais gens. Et donc, on arrive à dire, bah, en fait, l'idée est cool, on fonce et on commence à mettre en place l'outil, on développe, c'est du Power BI, il y a des gros fichiers Excel, on commence à mettre les premiers meetings de prio, etc. Et là, on s'aperçoit au final, au fur et à mesure que les mois passent, que les premiers problèmes arrivent. Globalement, aucun des utilisateurs n'utilisait le dashboard. Donc en fait, personne n'allait jamais consulter le dashboard pour vérifier où ils en étaient, pour mettre à jour en fait des éléments de prio. Et en fait, les meetings de priorisation se faisaient de plus en plus rares. Il y avait des gens, des stakeholders non élus entre guillemets, qui disaient, mais pourquoi lui il est plus important que moi? Parce que moi j'ai de bonnes idées aussi au final. Et parce que ce qui se passait aussi, c'était que dans cette méthode de priorisation, les stakeholders qui participaient à la priorisation, à chaque meeting de priorisation, rajoutaient des nouveaux éléments, mais priorisaient pas les anciens. En fait, c'était devenu plutôt un marché à la features, plutôt qu'un vrai meeting de priorisation. On prenait les éléments en disant, ben voilà, les précédents éléments qui ont été priorisés, ce sont ceux-là. Ça, c'est dans le backlog et maintenant c'est dans la roadmap. On n'y touche plus, mais on commence à prioriser les autres éléments pour les quarters suivants, etc. Et en fait, les gens disaient, ouais, mais non, mais tout ce qu'il y a dans la liste, ça ne nous intéresse pas. Nous, en ce moment, le besoin, c'est ça. C'est là où je veux en venir sur le côté versatile. C'est que finalement, c'est hyper difficile de maintenir quand on a beaucoup de stakeholders. On a énormément de besoins qui peuvent arriver parce que les marchés évoluent de façon différente. On a différents niveaux de maturité dans les marchés. Et je parle des consommateurs, hein, je parle pas forcément des personnes qui travaillent chez L'Oréal. Et au final, les besoins sont différents. On voit le marché en Asie où on a le mobile qui explose depuis des années avec tout ce qui est WeChat, toutes les live streaming, avec les KOL, etc. Les KOL, c'est les key opinion leaders. C'est une sorte d'influenceurs, mais version un peu plus cool de le dire. Et globalement, c'est vraiment un segment, un vrai élément hyper intéressant à prendre en compte. Là où en Europe, le vieux monde, comme on dit, c'est un peu plus compliqué parce que bah, il y a moins ce comportement-là sur ces éléments-là. Et aux États-Unis, ça commence à avoir le boom, mais on est sur plutôt de la trend. À cette époque-là, on était plutôt sur de la trend versus là la Chine ou enfin, l'Asie où c'était vraiment le boom. Et donc du coup, bah, en fait, tous nos stakeholders, ils arrivaient, ouais, mais nous c'est le live stream. Et après, il y a les US qui arrivaient, ouais, mais nous en fait, le live stream, on n'est pas encore mûr. Alors nous, c'est plutôt ça. L'Europe dit, ouais, mais nous c'est plutôt ça. Et en fait, ici, on n'avait pas du tout de rationnel. Tout était émotionnel, c'est que globalement, il y avait un sujet qui était trendy, bah, il était poussé sur la table. Puis le mois d'après, le sujet trendy, il était passé, parce qu'on parle de trends, on ne parle pas forcément d'éléments probants. Bah, la trend est passée, finalement, c'est plus une priorité. Par contre, moi, mon équipe avait peut-être bossé sur le sujet pour le prioriser, potentiellement faire l'assessment technique, etc. Et au final, bah, l'idée est abandonnée et on se retrouvait finalement, c'était plus un meeting de priorisation, c'était un meeting de bah, la course à l'échalote sur qui va mieux faire que les autres et mieux prioriser, avoir la meilleure idée, etc. Et bien, en fait, le juin 2019, donc un mois plus tard, j'ai consulté mes équipes
J'ai dit, mais en fait, ce meeting, ça devient n'importe quoi. On ne s'en sort pas. Ça ne nous permet pas d'avoir une meilleure vision produit. Ça ne nous permet pas de définir notre roadmap par quarter. Ça nous donne juste une idée de les tendances du moment, ce qui était quand même intéressant, mais ça manquait quand même d'informations. Et du coup, on décide de tout couper. Donc, on avait investi, on a investi 6 mois de notre temps à faire des meetings. Les meetings duraient 2 heures et on avait tous les 2 mois. Donc, c'était quand même avec, on était sur différentes time zones en plus, hein. Donc, ça faisait à peu près 12 heures de meeting, 12 heures de meeting par trimestre, 14 heures sur juste aller mettre de la Fibonacci dans un fichier Excel. C'était quand même assez compliqué. Et au final, on se dit bon bah en fait, on s'est viandé. C'est pas comme ça qu'il faut faire. On a échoué et on accepte notre échec. Donc on met à la poubelle six mois d'investissement, de temps parce qu'on n'a pas mis d'argent. Encore heureux. Mais voilà, on a Power BI, on avait des soucis de licence. Les gens n'y allaient pas. Quand ils avaient accès, ils n'y allaient pas. Personne ne consultait. La façon dont c'était priorisé, c'était de la priorisation pas du tout business. Donc on se retrouvait toujours dans un truc en disant mais ça c'est vachement prioritaire, mais c'est quoi l'objectif en fait de cette feature? Et au final on s'est un peu mangé les doigts parce qu'on s'est dit oh, on a perdu du temps à faire ça, alors que bah si on s'était pas exposé, on aurait pu continuer notre bonne vieille méthode de prio non transparente, avancer sur la roadmap et dire bah voilà on a fait ça et tant pis. Mais globalement c'était pas vraiment là où on voulait aller. Du coup pourquoi on a échoué? Le premier point dans pourquoi on a échoué, ce qui est important, c'est les mots test and learn. J'adore ce mot-là parce que c'est un moyen de se cacher l'échec en fait. C'est un truc qu'on dit bon bah test and learn. On n'est pas sûr, on n'est pas confiant, donc on teste et on voit. Non en fait c'est fail and learn. C'est fail and learn pourquoi? Parce qu'il faut savoir le reconnaître l'échec. Et c'est hyper compliqué de prendre le recul quand on a tous les biais dans notre tête qui nous dit. Alors, mais de toute façon, c'est la bonne organisation, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est une super idée, en plus on a des super outils, on y a passé du temps, et en fait, il y a tous les biais qui arrivent dans notre tête et qui nous commencent à aller le bruit après qui vient dans notre truc en disant, oui, mais en fait, si on n'a pas ça, ça marchera pas, etc. Et on s'auto-convainc qu'en fait, c'est même pas du test, on est en train de pas tester quelque chose, on est en train de faire quelque chose. Et du coup, on n'est pas en train d'apprendre non plus, parce que on est en train de faire, on y va en mode tête brûlée, et on se retrouve à devoir arrêter au bout de 6 mois parce que bah on voit qu'on a investi du temps dans rien. Et en fait bah je pense que derrière le test and learn il faut voir en fait le côté fail et se dire bah j'ai appris parce que j'ai échoué, parce qu'en fait quand on réussit on apprend beaucoup moins. C'est assez connu en psychologie c'est que bah en fait on apprend, c'est une grande phrase, on apprend de nos échecs. C'est une grande phrase philosophique, mais en psycho c'est vrai, parce que si vous avez que des succès dans votre vie, bah soit vous avez beaucoup de chance, soit vous êtes un génie, c'est possible aussi. Mais à un moment, si on ne rebondit jamais, bah on commence à s'ennuyer et puis la vie commence à être un peu monotone. Alors que quand on échoue, bah ça permet en fait de se prendre des petits coups de fouet de temps en temps qui permet d'aller un peu plus loin. Et finalement, ça permet de faire des sauts, des grands sauts. Là où réussir tout le temps, c'est peut-être qu'on n'a pas pris assez de risques finalement. Et c'est là où on a été plutôt content, parce qu'on a pris des risques, on a tenté un truc, on a foiré, on a dit bon c'est pas grave, on a échoué, c'est pas grave, on a appris, on s'est exposé, on a peut-être été ridicule aussi 5 minutes, parce que honnêtement au bout d'un moment les meetings étaient pas vraiment, enfin j'étais pas très fier de ces meetings là. Et après comment on se relève de tout ça? Et au final, il faut d'abord, oui, dis-moi. Ouais, j'ai quand même une question. Pardon. J'ai quand même une question par rapport à ce que tu disais sur la culture de l'échec et de l'apprentissage. La question est la suivante. Ça dépend beaucoup de la culture produit, on va dire, de la boîte dans laquelle on est, tu vois, de pouvoir dire bon bah ça s'est pas bien passé, mais à culpa, on avance et puis on itère quoi. Et c'est vrai qu'en fonction de tes stakeholders, notamment une direction, le discours il n'est pas pris de la même manière. Est-ce que tu as des retours à nous donner par rapport à ça ou Ouais, bien sûr. Bah la culture, en fait, la culture de l'échec. Est-ce qu'on cultive l'échec? Je pense pas. Il faut cultiver le succès. L'échec, il arrive quand on prend des risques. Là où on a eu des retours sur le moment où on a abandonné le projet, j'ai des stakeholders qui étaient soulagés. En fait, c'est là où c'était assez intéressant, c'est que quand on a eu peur en fait d'abandonner. On a eu peur d'abandonner parce qu'on s'est dit, bah on a vachement investi, on a embêté des gens à remplir des trucs,
comment ça va être vu, etc. On avait vraiment peur d'abandonner. On s'est dit, mais non, mais il faut continuer, qu'il y ait quoi, coûte que coûte, comme dirait notre cher président, quoi qu'il en coûte. En fait, non. En fait, le truc, c'est que je trouve qu'il n'y a rien de plus humain que de reconnaître l'échec, et j'ai de la chance d'être dans un groupe qui l'accepte. En fait, c'est évidemment, on a une culture du succès chez L'Oréal qui est phénoménale, vous imaginez bien, mais qui est capable de reconnaître et d'accepter de temps en temps l'échec. Et là, on n'avait pas investi d'argent. En fait, on avait juste investi notre temps, souvent en best effort. Et finalement, c'était une forme de MVP, mais c'était une MVP beaucoup trop avancée. Et donc, au final, les gens étaient soulagés. En fait, comme on a vu qu'on était en train de se planter, on forçait des gens à rentrer dans un process qu'ils ne voulaient pas. On ne peut pas faire rentrer un triangle dans un rond, quoi. C'est dans un cercle, vous savez. C'est ce qui est compliqué. Et donc, au final, c'est vrai que la culture, tu as raison, c'est que la culture de la boîte est hyper importante ici dans l'acceptation de l'échec. Mais si vous êtes dans une boîte qui n'accepte pas l'échec, ça va être compliqué de mettre en place du produit. Parce qu'au final, le produit, c'est de l'itération, c'est être capable de se tromper, de l'accepter, de le reconnaître, et de le montrer, et de justifier, et de grandir derrière. C'est ça une itération. Ça fait partie intégrante de la philosophie du produit et de cette culture-là. Et si vous avez des boîtes qui se disent, je vais être jugeant, c'est pas très gentil, mais qui disent, ouais, on fait du produit, on fait du agile, et qui à la fin vous tape sur les doigts parce que vous avez échoué sur une de vos idées, ben c'est pas vraiment ça la culture produit. C'est si vous avez que des succès, c'est que vous prenez pas de risques. Et des entreprises qui prennent pas de risques, elles ont peu de croissance. Techniquement. Donc, c'est pour se différencier dans le marché, il faut prendre des risques, il faut oser échouer, et après il faut prendre des risques mesurés. C'est là où nous on a été mesurés dans notre risque, c'est qu'au final on a fait un choix qui n'était pas le bon. On va le voir, on va voir pourquoi, mais au final on a réussi à se réinventer, on a réussi à proposer quelque chose de nouveau qui a fité mieux, etc. Donc au final on a appris de nos erreurs, et c'est le plus important. Et par contre, il faut justifier vos échecs. Il faut pas juste arriver, baisser la tête et de dire, ouais, on a échoué. Il faut dire pourquoi on a échoué, comprendre pourquoi on a échoué. C'est compliqué, parce que la plupart du temps, nos idées, on y croit. On a beaucoup d'ego par rapport à ça. Surtout quand on prend des risques en mettant des gens dans son équipe à faire des choses et à dire demain on abandonne. C'est faut le faire. Et après, c'est juste oser de le faire. Et si on vous tape sur les doigts parce que vous avez échoué. Bah, vous échouez une fois, c'est pas grave. Vous échouez deux fois, c'est pas grave. Si vous échouez à chaque fois, là, on commence à se poser des questions. C'est juste le nombre d'échecs. C'est que sur la. Là, je vous présente un échec parce que ça s'appelle le bourbier. J'aurais pu vous présenter les 90% de succès qu'on a eu à côté sur d'autres choses. Bien sûr. Mais là, je vous parle que des 10% d'échecs. Bah, sur la totalité des choses que j'ai entrepris sur ma prise de poste, bah, j'ai échoué à 15%. Est-ce que c'est acceptable? Pas acceptable? Oui, non. C'est à mes managers de le dire. Visiblement, je suis encore chez L'Oréal, donc ça a été. Mais voilà, je pense que c'est le plus important. C'est faut pas prendre l'échec dans son stylo et en mode de se renfermer là-dessus, parce qu'après on déprime. C'est de le mettre en exergue de tous les succès à côté, et de se dire, bon, bah, en fait, cet échec-là, il nous a coûté tant en termes de temps, en termes d'argent, s'il y a de l'argent qui a été investi. Par contre, il y a eu des succès. Et après, faut pas tout mettre votre capital produit, faut pas tout mettre sur un risque. C'est qu'il faut savoir le risque management, c'est aussi important. C'est vous prenez des risques, vous faites de l'innovation à 20% et pas à 100%. Vous prenez 80% de safety, entre guillemets, ou 70% de safety. Vous avancez sur des choses connues, simples et qui sont peut-être des baby steps, des petits pas. À petit pas, à petit pas, vous étirez très vite sur des améliorations, checker votre donnée, etc. Et puis vous prenez 30% de risque et vous investissez 30% sur du risque et de l'inno. À dire, bah, en fait, on va travailler en mode laboratoire, on va avoir des savants fous, des chercheurs, des personnes en fait qui ont le mindset de faire ça. Parce que c'est aussi un mindset, hein, de réfléchir à l'inno. C'est très compliqué. Si vous prenez quelqu'un qui est un super product manager, qui en fait a une habitude de gérer son backlog, etc., mais qui aime bien les choses bien carrées, bien précises, etc., et qui a du mal à sortir de son carton, de sa box et de son environnement, bah, il va pas être à l'aise à faire de l'innovation, parce que ça va pas forcément être safe, c'est très incertain, versatile, enfin tous les mots-clés qui peuvent dire que ça va être le chaos, quoi. Et après, il y a des gens qui s'expriment vachement mieux dans le chaos, et qui sont des gens qui sont pas forcément très organisés, qui sont pas forcément très qui sont pas forcément qu'on pas le mindset planification, etc., mais qui vont être capables d'avoir les idées qui vont changer des trucs. Et en fait, il faut encourager les deux. Les deux sont importants.
Les deux sont importants parce que celui qui est très bien organisé, qui sait gérer un backlog, qui sait gérer son produit, etc., lui, il va scaler très vite. Ça va être super bien foutu, ça va être une horloge, ça va être parfait, quoi. Et la personne qui va être innovante, bah, ça va être un peu plus chaotique, il n'y aura pas forcément des informations sur tout, mais à la fin, il y a potentiellement une super idée qui va sortir. Et les deux peuvent échouer. Les deux ont le droit d'échouer. Sauf qu'il y en a un qui aura plus tendance à échouer que l'autre, vu qu'il y en a un qui est en train d'explorer et l'autre qui est en train de construire. Vous voyez? Ça te répond à ta question à peu C'est près? super clair, merci. Je te laisse avancer et puis après, il y a des questions Ouais, qui peuvent s'accumuler. je peux partir super vite en philo, hein, donc faut me retenir. Je peux parler des heures. Je vais essayer d'aller vite. Du coup, les raisons de l'échec. En fait, là, je pense que le pourquoi on a échoué, c'est qu'on n'a pas appliqué la philosophie produit à ce besoin. En fait, j'ai fait une erreur de débutant, moi le premier, vu que c'est moi qui ai pris la décision, donc je l'assume complètement. Globalement, j'ai pas pris de recul. Donc là, j'ai checké quatre cases hyper importantes. J'ai pas pris de recul. J'ai dit, tiens, j'ai pris le problème qui m'intéressait le plus, en fait. Il y avait d'autres choses à côté, il y avait plein de soucis, et j'ai pris celui qui m'intéressait le plus, la priorisation, et j'ai pas jaugé moi mes problèmes. J'ai même pas fait moi-même ma priorisation de problème avant de prendre ce problème-là. Donc je suis parti bien en tête sur un truc qui m'intéressait. Donc j'ai fait de l'émotionnel et pas de rationnel. Ensuite, j'ai pas bien défini le problème. Parce que le problème existait, la priorisation, vous imaginez bien quand il y a plus de 200 stakeholders et que tout le monde peut envoyer un email à n'importe qui dans la boîte pour dire j'ai envie de prioriser ça. Il y a un problème de priorisation, mais peut-être que bah, la méthode, c'était pas le problème principal en fait. Peut-être c'était pas la méthode. Ce qui posait problème, c'est qu'il y avait peut-être autre chose. Et ça, en fait, je m'en suis aperçu plus tard. Je vais en parler d'ailleurs. Mauvaise solution. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai essayé de prendre des petits bouts d'outils qui sont mis en ligne avec des poker planning, des machins, des trucs, et j'ai essayé de faire rentrer ça au forcing chez L'Oréal. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'organiser un poker planning avec des personnes qui n'ont jamais fait de produit. C'est assez compliqué. Parce que y a tout, en fait, il y a toute une philosophie à apprendre, il y a tout un apprentissage. Et au final, j'ai essayé de passer quelque chose au forcing, les gens, ça les intéressait pas. Ils s'en foutaient de prioriser, ils voulaient juste avoir la feature ce qu'ils demandaient. Et donc la solution, en fait, elle était pas bonne. Les meetings, c'est juste un enfer. On en a beaucoup, et globalement, mettre 10, 12, 12, 13 personnes sur la table, et après prendre les fichiers Excel, les remplir, etc., pendant 2 heures, et ça sur différentes time zones pour arriver à avoir nos 50 stakeholders, je vous avoue qu'on a eu du mal à tous les avoir, les priorités. Donc on les a eu une fois, et puis après, ça s'est gradé. La solution, la méthodologie de poker planning, de priorisation émotionnelle, ça fonctionnait pas. Et ensuite, bah, j'avais pas d'objectif, et j'ai pas défini de MVP. Donc en fait, je me suis lancé dans ce projet. Ça nous a mis 3 mois à le mettre en place, à faire le Power BI, à faire le fichier Excel, à définir les différents scoring, etc., de priorisation. Et en fait, on a sorti le truc, mais on n'avait pas défini où on devait s'arrêter. Donc à chaque fois, en fait, on itérait, puis on rajoutait un nouveau truc, un nouveau truc, un nouveau truc, et à la fin, le truc était devenu hyper complexe, et même nous, on n'avait plus envie de l'utiliser. C'est quand même problématique. À partir du moment où on crée quelque chose qu'on n'a plus envie d'utiliser, c'est que nous, premiers users, super users de notre outil, on n'a plus envie d'aller dedans parce qu'on trouve ça trop chiant. Donc c'est vraiment qu'on a déconné. Et après, on n'a pas confronté la solution à certains key users et sponsors au démarrage, en disant bah en fait on a une solution, on aimerait mettre ça en place. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez des points de friction, des points d'amélioration, etc. On est parti bien en tête, on a développé notre truc, puis on a dit, bah voilà, il y a un truc. Et ça s'est pas vraiment bien passé. Et au final, on pourrait, enfin, le réflexe, c'est de blâmer tous les gens qui m'entourent et de dire, ah non, mais les gens chez L'Oréal, ils font pas du produit, ils font pas machin. Mais en fait, c'est pas bon de faire ça. C'est pas bon de faire ça, c'est parce que c'est moi le head of product. C'est moi qui dois insuffler la philosophie, c'est moi qui dois assumer la responsabilité du produit, et c'est moi qui dois expliquer aux gens et les onboarder dans le produit. Je peux pas leur demander de devenir expert produit, expert de la prio, expert business du jour au lendemain. C'est à moi d'accompagner, de faire finalement tout le travail d'advocacy et tout le travail d'upskilling pour accompagner les gens vers la philosophie produit. Et c'est pas en arrivant avec un outil qu'on se dit bah c'est comme ça que ça marche. Donc c'est là où pour moi, les quatre grosses erreurs et les raisons de l'échec, elles sont là. Et au final, c'est derrière comment on repart d'une feuille blanche. Et comme vous voyez, le 13 mars 2020,
Donc quasiment un an après le premier delivery du sujet, on était en confinement et c'est la naissance de mon fils. Donc j'ai eu un mois et demi de congé paternité et là j'avais l'esprit libre et je me suis dit mais en fait ce problème il est quand même encore là. On galère à prioriser, on galère à mettre en place notre roadmap, on galère à définir notre vision produit, on galère à définir notre stratégie. C'est hyper hyper chaud. On a toujours des besoins qui arrivent de toutes parts. Il faut vraiment qu'on arrive à trouver une méthodologie qui permet d'être hyper transparent sur la façon dont on priorise. Parce qu'au final, on en parlait tout à l'heure. Tu me demandais comment on arrive à gérer les stakeholders en fait qui ne donnent pas leur avis, qui font pas partie des élus. Ben en fait, c'est ça le problème initial. C'est que globalement, on n'avait pas d'outils qui permettaient à des personnes qui ont des plus petits chiffres d'affaires d'avoir des bonnes idées. C'est-à-dire qu'on discriminait les gens en disant, alors toi, en fait, tu n'as tellement pas de chiffre d'affaires que tu n'as pas d'avis à donner. Alors qu'en fait, la personne, elle peut avoir une super idée et que cette super idée, grâce à notre core modèle, peut être implémentée dans un pays qui, lui, fait beaucoup de chiffre d'affaires parce qu'il a beaucoup de volume, etc., et qui peut potentiellement l'exploser. Et c'est finalement là où on s'est dit, mais ouais, en fait, quand on parle avec les gens, bah on se dit bah, peut-être qu'il y a quelque chose quand même à faire avec cet outil-là. Il y a peut-être une méthodologie à trouver qui est beaucoup moins émotionnelle et beaucoup plus rationnelle. Mais on va y venir. Du coup, la feuille blanche, c'est quoi? La feuille blanche, c'est quand on repart et on se dit, mais le problème est toujours là. C'est on se dit, bah, en fait, on a échoué, la solution a échoué, mais en fait, le problème, il est toujours là. C'est pas parce que la solution a échoué que le problème n'existe pas. Il y a une phrase qui dit, s'il n'y a pas de solution à ce problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Bah, en fait, il y a toujours un problème. C'est potentiellement que la solution, elle se découpe, ou le problème se découpe. C'est peut-être que le problème est trop gros. Il faut découper le problème. Et globalement, quand on part d'une feuille blanche, bah déjà, on prend le temps de digérer l'échec. C'est là où mon congé paternité m'a aidé. Je suis sorti de l'oral pendant un mois et demi. On était en plein confinement. Et finalement, j'ai pris le temps d'absorber mon truc en disant, ouais, bon, t'as foiré, c'est bon, allez, passe à autre chose. Reprendre confiance en soi. Ça a été très compliqué parce que, en fait, quand on est nommé head of product, on n'en a jamais fait avant. Et qu'on a un échec comme celui-là, qui est quand même la base du produit, qui est la priorisation, et qu'on échoue sur ce truc-là, alors qu'on a fait des trucs cool avant, hein, c'est ce qu'on se dit, hein, c'est une part, mais il faut quand même reprendre confiance en soi en se disant, mais ouais, est-ce que t'es la bonne personne pour faire ça, pour faire ce taf? Donc il y a quand même un travail sur soi à faire, hein, sur l'échec, ça s'efface pas comme ça. Ensuite, on a remettre l'idée sur la table, car le problème existe encore, ça je viens de le dire. Voir les choses différemment, ça je viens de le dire. Découper le problème. Et après, trouver le juste équilibre entre savoir-faire et faire savoir. C'est là où on n'a pas été très bon aussi dans l'échec précédent, dont moi, hein, surtout moi d'ailleurs. J'ai pas fait savoir ce qu'on était en train de faire et j'ai lancé un produit fini comme ça, sans faire de marketing, hein, globalement. Et les gens sont arrivés en disant, mais j'en ai pas besoin. Enfin, globalement, on n'en a pas besoin vu qu'avant, ça, on faisait déjà des trucs. Donc, c'était ça les points clés qu'il fallait remettre à plat pour partir à la feuille blanche. Et du coup, Vincent, je veux bien m'arrêter un peu sur la dernière slide. C'est super intéressant. En fait, c'est vrai que tu as une approche dont on parle pas assez, je pense, au Bourbier. On parle beaucoup d'échecs. Par contre, là, tu pointes du doigt un truc super important. C'est tu parles de prendre le temps de digérer l'échec et reprendre confiance en soi. Et c'est vrai, quand on est PM, Head of Product CPO, on est quand même en responsabilité quoi vis-à-vis de son backlog, vis-à-vis de son produit, vis-à-vis des utilisateurs. On gère constamment des stakeholders et de la contrainte. Est-ce que tu as notamment le reprendre confiance en soi, parfois il y a des situations qui bougent pas assez, on a un peu la bougeotte. Comment tu as fait en fait pour gérer ces aspects d'un point de vue plus, comme tu dis, philosophique. Tu nous as parlé de ton fils, alors je vais pas demander à tous les PM de faire un enfant pour Non, 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 c'est un autre produit, ça, c'est un autre délire. C'est essayer. un backlog que vous maîtrisez absolument pas. Donc non, non, il ne faut pas faire d'enfant forcément pour se sentir mieux, hein, ce n'est pas une bonne idée. Là, Mais c'était l'occasion. ouais, c'est vrai, si tu as je sais pas, des conseils. Je sais que la question, elle est assez ouverte, mais mine de rien, Ouais. pas assez dans nos sessions, nos émissions là. Donc voilà, si t'as un petit conseil à donner, avec plaisir pour l'entendre. Ok. Ouais, donc, ouais, en fait, je l'ai mis parce que je pense que c'est important de le mettre, c'est qu'on reste des humains, en fait.
On a tendance à nous voir un peu comme des machines, vous savez, les CPO, head of product, product manager, genre des machines à traiter des backlogs, à prioriser, à machin, mais à la fin, on reste des humains, c'est-à-dire qu'on a des sentiments, on a des émotions, on peut être triste, on peut être heureux. Est-ce que en fonction de la façon dont vous vivez votre vie professionnelle aussi, est-ce que vous êtes épanoui, pas épanoui, est-ce que vous prenez du bon temps, est-ce que vous avez confiance aussi en vos équipes, c'est hyper important parce que moi c'est ça qui m'a permis aussi de prendre la confiance en moi, c'est que j'ai changé d'équipe entre-temps, mon ancienne équipe a changé de job chez L'Oréal, etc. C'était prévu, c'était comme ça. J'ai eu une nouvelle équipe et cette nouvelle équipe, bah, c'est des piliers quoi. C'est qu'en fait je les ai onboardés, je leur ai mis les idées, etc. Puis ils suivent et puis ils me disent, mais il fait non. Des fois ils me disent non, mais ça va être chaud. Comment on va y arriver, etc. Puis la confiance en soi, c'est aussi de la confiance en son équipe, de se dire, bah, est-ce que mon équipe me fait confiance? Est-ce que mon équipe a confiance aussi dans la vision que je vais apporter? Est-ce que je peux m'appuyer sur eux pour soutenir la vision que j'ai, etc. Et ça, c'est vraiment important, c'est de l'humain, c'est de l'écoute. Là, on n'est pas en train de parler de produits, on n'est pas en train de parler de backlog, on n'est pas en train de parler de user stories, UX et tout ce que vous voulez. Là, on est en train de parler face to face avec une personne de fait de chair et de sang, en face de soi, qui a des émotions, qui ressent des choses. Pareil pour moi, en face de moi, j'ai quelqu'un qui va me donner des feedbacks et qui va me dire, ouais, c'était une idée à la con. Bah, faut l'absorber, faut le prendre. Et voilà, et je pense que bah, la confiance en soi, on va la récupérer avec les autres. Donc, pas forcément avec son enfant, mais on va la récupérer avec les autres. C'est potentiellement de passer à autre chose complètement. C'est de shifter, en fait, de pas focus sur le truc. Vous avez vu, j'ai mis un an, hein, à peu près à abandonner l'ancienne idée pour faire vivre une nouvelle. Et en fait, ça prend du temps. C'est, vous pouvez pas dire, bon, j'ai échoué, je recommence demain sur le même sujet. Vous serez biaisé complètement parce qu'en fait, vous aurez tous les échecs en tête, vous allez vous mettre des barrières. Il va y avoir des frontières, etc. Et en fait, la confiance en soi, elle est là. Si j'arrête de philosopher, je prends trois piliers, c'est rapprochez-vous des autres. C'est important que les autres, en fait, vous sentez que les autres aient confiance en vous avant d'avoir confiance en soi. Surtout dans un environnement de travail. Là, je parle pas d'un environnement familial, hein, mais vraiment dans un environnement de travail. Si vous voyez que votre équipe, elle est un peu démissionnaire, c'est-à-dire qu'elle vous écoute plus trop, elle part un peu dans tous les sens et elle fait un peu ce qu'elle a envie, bah, c'est que vous avez perdu la confiance de votre équipe. Donc, allez la rechercher. Ensuite, quand vous arrivez à rattraper la confiance de vos équipes, commencez à travailler sur l'oubli de l'échec, donc d'oublier à peu près tout ce que vous aviez mis en place et essayez de vous concentrer sur les points positifs de cet échec, parce qu'un échec n'est pas 100% un échec. C'est là où on commence à apprendre, le fameux test and learn, c'est qu'il y a peut-être des éléments qui sont positifs à ça et de les prendre en compte. Moi, il y a pas mal de trucs sur le nouvel outil que j'ai pris de l'ancien, mais qui a complètement changé. Et après, la confiance en soi, c'est un élément, c'est prendre le temps. C'est prendre le temps. On ne change pas les choses comme ça du jour au lendemain. On ne se remet pas d'un échec, d'un truc qu'on avait, on était hyper à fond sur le sujet. On ne s'en remet pas comme ça. Ou alors vous avez zéro émotion, ce qui est fort possible, hein. Mais dans ce cas-là, c'est difficile de se dire, bon, bah, j'ai échoué, je vais m'y remettre, je vais repartir au boulot, etc. Concentrez-vous sur les choses positives qui se sont passées pendant que vous avez vécu votre échec. Il n'y a pas que des échecs. J'espère pour vous qu'il n'y a pas que des échecs. C'est le thème aujourd'hui, hein, c'est ce que j'ai dit, mais voilà. Donc, la confiance en soi, c'est l'humain. Rapprochez-vous de vos équipes. Rapprochez-vous aussi un peu de sortez un peu aussi la tête du travail. Allez voir autre chose. Moi, j'ai fait ça aussi. Hein, j'ai eu la chance. Hein, du coup, j'ai eu un mois de congé paternité. J'ai pu faire autre chose. Bah, changer des couches et faire des biberons et pas dormir de la nuit, ça permet de réfléchir. On a du temps en fait. Donc au final, c'est vraiment important de prendre le temps, de prendre le temps. Si je devais résumer, c'est Ok. humain et prendre le temps. Merci. Je te laisse avancer parce qu'il y a des questions. J'aimerais bien que tu puisses. Questions du public, je veux dire. Ok. Le public, oh là là. Du Mais public. ouais, moi j'ai bientôt fini. Il reste 2 slides. Du coup, ouais, pour se remettre en selle, je vais peut-être faire assez vite parce que du coup là on rentre vraiment dans un truc produit donc tout le monde à peu près connaît. Pour se remettre en selle, c'est le côté think slow move fast. C'est qu'en fait là où on n'avait pas été très où j'avais pas été très fort au départ, c'est qu'en fait on avait réfléchi vite et on avait bougé assez vite. Donc en fait, on avait dit, bon, bah, le problème, c'est ça, et en fait, faut pas faire ça.
Et en fait, on a repris le temps. Quand je suis revenu, en fait, pendant mon congé paternité, j'avais pris le temps d'interroger mes équipes, d'interroger des gens, etc., un peu en off, vu que j'étais pas censé être là, et en fait, de leur demander leur avis, mais en one-to-one. Donc, pas de réunion, pas de trucs. C'est vraiment, tiens, je t'appelle parce que j'ai besoin d'un de tes conseils. Voilà, le sujet de la priorisation, tout ça. Et après, en fait, c'était une forme d'interview utilisateur, mais plutôt frankly speaking, enfin, et pas forcément un frame d'interview classique, etc. Et en fait, les deux points qui sont remontés de ça, c'est que bah, les gens m'ont dit, ouais, il y a un problème avec la priorisation, c'est qu'il y a un manque de transparence et d'objectivité sur la méthode. C'est que globalement, on prend des choses, on les met dans la roadmap, on les sort, mais on ne sait pas pourquoi on l'a fait. Donc l'objectivité, elle est là, il n'y a pas d'objectif. Et la transparence, c'est que bah, personne ne sait forcément ce qu'on est en train de faire parce que tout ce qu'on est en train de faire est dans Jira. C'est notre outil bah, pour le backlog. Et tout le monde n'a pas un accès à Jira, tout le monde ne sait pas aller vérifier une release version ou un sprint version dans Jira. Et en fait, lire un ticket et des use case, forcément, c'est pas forcément à la portée de tous. Donc en fait, il y avait un problème de vulgarisation globalement et de transparence par rapport à notre delivery. Et après, c'était le manque de flexibilité dans la stratégie. C'est qu'en gros, à partir du moment où c'est dans le backlog, c'était priorisé, bah, on était sur une roadmap pas agile finalement. On était sur une map statique, on la définissait annuellement et on essayait de livrer le maximum de trucs qu'on avait défini au 1er janvier. Par contre, c'était difficile de shifter par rapport à une tendance ou par rapport à une opportunité. On avait beaucoup de mal à dire, bon, bah, en fait, là, on avait priorisé ça pour quarter 2. Là, il y a une vraie opportunité qui vient d'arriver, il y a un vrai sujet qui est sur la table, on a des datas qui le prouvent qu'il faut faire ça, tout ça, tout ça. Comment on fait pour shifter la roadmap? Et ça, on n'y arrivait pas. Parce que, en fait, on n'avait pas l'outil qui permettait de mettre en concurrence deux idées, même une idée qui est déjà backloguée, potentiellement. Donc la solution après, c'était bah, en fait la mise en place d'une méthodologie qui répondait aux besoins réels des stakeholders. Parce qu'au final, l'outil de départ, il était bien, mais il répondait pas aux besoins vu que personne n'allait le voir. Donc au final, la méthodologie, c'est une méthodologie rationnelle et transparente. Donc c'est un outil pour mon équipe et un dashboard de suivi pour les stakeholders, ce qu'on appelle les exec dashboards ou peu importe machin. Mais le dashboard en fait est utilisé aussi par mes équipes pour faire le suivi en fait du sprint planning. Et à la fin, mettre en place les OKR et le MVP, c'est très simple, hein. C'est avancer à petits pas avec peu d'investissement et des objectifs précis. Donc je m'étais donné 5 jours pour déployer la première version, contrairement à 3 mois avant. Et après, les KPIs qu'on sait, les OKR en fait, qu'on se mettait en tête, c'est que si on veut que le produit se maintienne en vie, c'est on veut que le dashboard soit consulté, donc les gens aillent sur les pages. Aujourd'hui, le dashboard, je vous avais dit 200 stakeholders, j'ai 188 users qui le consultent 2-3 fois par semaine aujourd'hui. Ça vous donne un peu une idée des métriques qu'on est en train de suivre. Et après, c'est le temps passé, donc ça c'est une plus un OKR plutôt chez nous, c'est le temps passé sur l'analyse dans l'outil qu'on a développé versus le temps passé dans la gestion du backlog classique. Donc recevoir un email, créer un ticket, essayer de le prioriser dans le backlog alors qu'on n'a aucune donnée tangible pour le prioriser, etc. C'était plutôt comment je fais gagner du temps à mon équipe. Okay. Voilà. Et du coup, le BIC est né chez L'Oréal. C'est une app. C'est une application, une web app hein, qui est faite sur Glide Apps. Donc on n'est que en no code, hein. On n'a pas fait de code du tout. La stack, pour vous donner une idée, c'est Zapier, Jira, Google Sheet, Data Studio, Glide Apps. Donc il n'y a pas une ligne de code qui a été pondue là-dessus. Tout est homemade, on a tout fait nous-mêmes. Et on n'a pas dépensé, on a dépensé de l'argent juste sur la licence Zapier finalement et la licence Glide Apps. Donc en gros, notre outil de priorisation aujourd'hui nous coûte environ 59 € par mois, ce qui est à peu près les licences classiques qu'on peut avoir sur des outils de priorisation classiques, type RunMonk et tous ces trucs-là. Et sachant que l'outil, il est complètement flexible, c'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Il n'y a pas de, on n'est pas soumis à une roadmap produit externe, donc d'un partenaire externe, pour y rajouter des informations. Et donc au final, pour résumer, c'est une app efficace, parce que mon équipe l'utilise tous les jours, elle analyse les besoins dedans et ça permet de gérer la roadmap sans passer par Jira. On a la méthodologie qui est éprouvée. Aujourd'hui, on a un scoring qui est calculé sur plus de 58 critères. Quand on voit la méthode RISE, c'est 4 critères. Là, on en a 58. Ça offre la possibilité d'intégrer une stratégie de produit différente en 3 clics.
Donc, globalement, notre stratégie produit est basée sur six piliers. Chaque pilier est relié à cinq KPIs. Et en fait, on peut jouer avec du curseur pour dire, ben, en fait, on veut mettre plus l'accent pour le mois prochain sur ce pilier-là versus un autre. Et ça change toute la priorisation de la roadmap, sachant que l'assessment n'a pas changé. Donc, on n'est pas obligé de réanalyser tout notre backlog à chaque fois qu'on change de stratégie. On a juste besoin de bouger le curseur. Non, Et comment? non, j'ai dit c'est énorme, pardon, j'ai eu commentaire. Ah. Et ensuite, on a un dashboard transparent qui est mis à jour en temps réel, du coup. Nos stakeholders peuvent le suivre facilement et c'est ce qu'ils font. À l'intérieur, il y a notre roadmap, il y a les nouveaux besoins, il y a la carte d'identité des besoins. Donc, chaque feature a sa carte d'identité où nous, en fait, c'est product manager qui fait ça, en fait, elle qualifie le besoin. Donc, les besoins sont qualifiés par nous et pas par nos stakeholders. Ils peuvent émettre n'importe quelle idée et en fait, on va quand même le qualifier. Ça facilite vachement aussi le passage d'un business qui est pas forcément orienté produit, qui a pas forcément les compétences pour définir une use case précise. Elle émet une besoin comme si elle rédigeait un texte et nous en fait on va le qualifier, le faire en user stories, en sprint, etc. et on va le découper si c'est découpable, on va analyser l'effort, etc. Donc en fait on a le BIC, ça veut dire bénéfice, effort, impact, confidence. Et la confidence est basée sur la qualité de la demande et pas forcément la confiance qu'on a dans le besoin en lui-même. Et ça, sans avoir à se connecter à une autre plateforme plus tech, type Jira. Et voilà, j'ai fini. J'avais prévu de faire une petite démo, mais je pense qu'on est out of time, donc on va répondre aux questions. Non, merci. Ouais, c'était très complet et super de voir aussi que, comme quoi, nous on en parle de plus en plus au sein du campus le no-code. Hein, en fait, de plus en plus les gens se posent plus de questions, ils s'approprient les outils et puis ils créent leur propre. Ben voilà, tu crées un produit robuste sans avoir dépensé des tonnes en développement et puis voilà quoi. C'est super intéressant. Donc sur les questions, effectivement, alors si je les prends un peu dans l'ordre, c'est vrai, on avait une question de Julien. Donc Vincent, est-ce que dans tes équipes, des personnes ont la capacité à donner du poids aux trends? Justement, peut-être que dans cette nouvelle version, c'est le cas. Tu nous disais en début de session, il y a des trends là, surtout dans le luxe, j'imagine. Comment est-ce que tu qualifies ce qui en est, ce qui n'en est pas une? Alors, j'ai une équipe UX Research D'accord. qui effectivement peut nous aider à définir les trends. Aujourd'hui, on est en phase de construction de cette équipe-là et on était plus en mode réactif que proactif. Et là, on est en train de shifter en fait vers le proactif. C'est que, je m'explique, c'est que réactif, c'est on reçoit un besoin, on va faire l'analyse globalement. Là, le proactif, c'est en fait, on est en mode plus exploratoire, on se base sur la data qu'on a sur nos sites, et on est sur deux éléments. Donc, j'ai eu la presse il y a 5 minutes, ils m'ont fait une presse canon et je suis hyper content sur ce qu'ils allaient faire. Et globalement, c'est l'analyse purement quantitative sur qu'on a au niveau behavioral, donc tous les outils analytiques qu'on peut avoir. Et après, c'est plutôt qualitatif, à aller faire du user testing, de la B testing, etc., pour aller avoir un peu plus de données utilisateurs, utiliser des MPS, etc. Et l'idée, c'est vraiment de réussir à regrouper les deux pour aller explorer les trends en e-commerce et évidemment lire énormément d'études, etc. Enfin, sachant que les études, elles ont toutes leurs biais, étant donné que ça dépend qui fait l'étude. Et forcément, la plupart du temps, ce sont des fournisseurs de logiciels qui vont dire que bah, la personnalisation, c'est vachement bien, sauf que ce fournisseur de logiciels fait des logiciels de personnalisation. Il faut toujours se méfier un petit peu du biais du commerçant ici, qui est en train de vendre sa solution en disant qu'il a fait une étude et il a posé la question aux gens, est-ce que vous préférez de la personnalisation ou avoir 50 canards qui vous suivent à longueur de journée? Donc c'est là où il faut voilà, nous on essaye de mettre en place ça. C'est aussi long, c'est un nouveau projet. J'espère qu'on passera pas dans le bourbier avec celui-là. Mais globalement moi j'y crois plutôt à fond et c'est vrai que là on était plutôt réactif. Donc pour répondre à ta question, nous on a des personnes qui suivent les trends, mais c'est plutôt des trends globales basées sur des études qu'on a. Qu'on reçoit de plusieurs entités, mais on n'a pas forcément notre propre étude. Et là, on veut arriver à faire notre propre étude pour identifier nous-mêmes les trends et les pousser. Et ça veut dire qu'au niveau de la roadmap produit elle-même, est-ce que par hasard, dans tes 56 ou 8 critères pour prioriser en fait une idée, est-ce que tu as par exemple un facteur trend qui serait issu justement de l'étude ou quelque chose comme ça? Alors en fait, nous on a quelque chose qui s'appelle l'indice de confiance. Là, je suis dans l'appli, vous la voyez? Ouais, on voit tout, merci. Super.
Donc en fait, vous voyez, on a les bénéfices qui sont ici. Donc les bénéfices, en fait, ce sont des KPIs. En fait, avant, dans l'ancien outil, on devait mettre des suites de Fibonacci en disant de 0 à 144, et c'est hyper compliqué de dire 55 ou 89. C'est assez compliqué à le prendre. C'est pareil pour le rice, c'est toujours compliqué de dire ah 5. En général, quand on a un backlog comme le nôtre, hein, de plus de 1000 tickets, là on a 1000 requests qui ont été analysés depuis du coup juin 2020. En fait, quand on se retrouve avec 283 éléments dans le backlog, si on fait du rice de 1 à 5, on se retrouve très vite avec des moyennes à 2,5. Ça vient très, les trucs viennent très vite s'isoler, on se retrouve avec des gros pâtés, c'est pas vraiment facile. Donc en fait, nous, on calcule la suite de Fibonacci en cliquant sur des cases. Donc c'est incrémental. Vous cliquez sur une case, ça fait 5, après 13, après 55, et plus vous avez de cases de cliquer, plus la suite de Fibonacci s'améliore. Et donc là, on est sur les bénéfices. Je veux pas vous tout montrer les piliers, parce que du coup, il y a des trucs assez confidentiels. On a l'effort avec les différentes tâches, évidemment, que vous connaissez. On a l'écosystème impact. Et en fait, là, le point de vue trend que tu as, toi, c'est dans la confiance. En gros, le score BIC, c'est bénéfice divisé par effort plus impact, multiplié par la confiance. Et en fait, ce scoring-là nous dit, plus on a d'insight, donc plus on a du détail d'insight, plus l'indice de confiance est élevé. Donc là, on est ici, quand tu parles de trends, donc on est sur de la market data, c'est des insights qu'on a, machin. Si on commence à parler de la data qu'on a interne, c'est ici. La user research, c'est là. Et donc, en fait, nous, cet indice de confiance permet d'augmenter la position, en fait, du besoin dans notre matrice. Donc là, vous voyez le dashboard. Lisez pas les textes confidentiels, mais je vous montre quand même parce que je suis quand même assez fier du truc. Mais pendant que ça fera la transition, pendant que ça charge, j'imagine qu'il y a un PM derrière ce produit. Enfin, l'outil est super complet, en fait. Même les règles métiers que tu as derrière, je ne sais pas si c'est toi qui prends ça en charge ou il y a quelqu'un. Non, non, j'ai ma super PM qui est d'ailleurs en train de suivre le bourbier, donc je Ah tiens à bon, la elle remercier, car est félicite. c'est impossible sans elle. C'est Non, non, impressionnant. j'ai une super PM, et le truc qui est chouette là-dedans, c'est que elle arrive, avec toutes les tâches qu'elle a à côté, elle arrive à gérer ça toute seule. Donc j'ai pas besoin d'avoir une armée de personnes derrière pour gérer ça. Et par contre, je m'occupe de la maintenance. Donc en fait, elle m'appelle, elle me dit là, il y a un problème. Voilà, c'est moi qui répare. Et là, globalement, vous voyez le scoring qui est là, hein, c'est score BIC, et vous voyez en fait les bénéfices, l'effort, l'impact, la confidence qui est low ici, et tout est lisible. Vous voyez, à part le score qui est lui en chiffres, tout le reste est lisible. On sait que là, celle-là va avoir un gros effort par rapport à son bénéfice. Et après, on a la matrice ici qui va les placer. Donc attention à la lecture, c'est inversé, hein. Le zéro est ici pour l'effort, et le bénéfice est là. C'était pour placer en fait ceux qui avaient le moins d'effort avec le plus haut bénéfice en haut à droite, parce que l'humain est habitué de voir les trucs positifs en haut à droite. Et du coup, là, vous voyez les features. Donc là, on n'en a pas beaucoup. Par contre, là, vous voyez le pâté ambiant de nos improvements, où là, on en a beaucoup. Effectivement, on s'aperçoit qu'on a quand même énormément d'éléments. Et après, ce qui est intéressant ici, c'est que si une personne, un stakeholder, dit, bah, j'ai envie d'avoir plus de détails sur une feature, elle va avoir la fiche d'identité de la feature qui va apparaître ici, en disant bah, c'est le type, c'est la feature, le thème, c'est l'UX, la page type, c'est le product page, le level of confidence, il est low, le sizing, donc c'est le calcul par rapport à l'effort, il est de XS, son big score, il est de 11,2, et il a un lien pour aller vers le ticket directement Jira. Et après, il a sa vue product stratégie, et après, il a sa vue écosystème impact. Donc celui-là n'en a pas, on est content. Et après, pour changer la stratégie, quand je vous disais tout à l'heure, pour changer la stratégie, je vais ici, ici, et Edit Product Criteria. Et vous voyez ici, j'ai ma stratégie sur mes piliers. Et j'ai juste besoin d'aller dans un élément et de dire, bah là, en fait, je vais mettre 20% sur le sales et je vais rajouter 10% sur l'enabler. Enfin, donc ça va faire 30%. Et après, ça va changer directement toute ma stratégie derrière sur mon dashboard. Et j'ai pas besoin de faire un réassessment. Alors là, bon bah il y a du bon dans l'échec si ça t'a permis de rebondir avec l'outil tel qu'on le voit là hein, pour le coup. Ah, c'est là où je voulais en venir en fait, c'est que c'est un peu la conclusion du truc, c'est que là où il y a eu un échec, il y a eu un vachement bien derrière. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut accepter l'échec. C'est qu'il y a un moment, il faut accepter d'échouer pour se dire bah on va faire mieux après.
Parce que le problème, c'est qu'on peut s'enliser rapidement dans une idée en se disant, bah ouais, mais en fait, on a tellement investi qu'il faut continuer à y aller, machin. Ben, en fait, non, vaut mieux arrêter le plus tôt possible. C'est pour ça qu'il faut définir des objectifs très clairs au démarrage, arrêter le plus tôt possible pour faire une rétrospective et se dire, mais pourquoi ça n'a pas marché? Et plus on arrête vite, moins on déprime derrière. C'est aussi ça qui est important. Bah, écoute, merci beaucoup. Après, je pense qu'on a répondu quand même aux autres questions, même si je les ai pas reposées directement. Donc, Malika, ta question, elle était sur quels sont les types de stakeholders. On avait parlé des différents, j'imagine, représentants de marque, en fait, côté. Bah, je te laisse répondre rapidement, Vincent. Je voyais ici ma stratégie du coup a changé. J'étais à 30 et maintenant je suis à 20, etc. Donc tout mon scoring derrière a changé. Ouais, Voilà. Aparté. Donc les stakeholders, ce sont donc j'ai la plupart du temps sont des e-commerce managers et qui vont être dans les ou des head of e-commerce ou des patrons digitaux qui vont être soit dans des marques, soit dans des zones. Donc, les zones regroupent plusieurs pays, soit dans des pays. J'ai aussi des stakeholders corporate qui sont au niveau du groupe. Je vais avoir des stakeholders qui vont être dans différentes entités métiers, type sécurité, qui vont être dans le légal, tous ces trucs-là. Donc j'ai énormément de stakeholders qui peuvent être aussi des non-e-commerce, qui sont plutôt en me disant, bah voilà, il y a un problème de legal compliance. Les DPO sont des stakeholders, par exemple, data privacy officer. Voilà, j'ai une bonne liste de stakeholders, une bonne liste, il y a pas mal de monde. Et aujourd'hui, l'outil est ouvert, c'est-à-dire que tout le monde peut créer un ticket, tout le monde peut créer un ticket et directement aller en fait vérifier ce qui se passe. Donc là, on a nos visions sprint planning, etc. Donc c'est l'outil. Je le voulais en fait, c'est avec l'équipe, on le voulait vraiment ouvert. C'est qu'en fait, on voulait réduire le nombre d'emails qu'on reçoit de différents stakeholders et qui disent ouais, mais en fait, moi j'ai besoin de ça. Ben, en fait, crée un ticket et tu pourras le suivre après dans l'outil. C'est vraiment l'objectif aussi de l'outil, c'était de nous simplifier la vie. Qu'en fait, on a réussi à faire les deux. Et in fine, il y a un volet que tu as réussi à faire, je pense, avec ce produit, vu le taux d'utilisation quotidien, c'est enfin ou c'est hebdo, c'est l'acculturation aussi, parce que tu avais des stakeholders, comme tu disais, qui n'étaient pas forcément habitués à faire du poker planning, etc. Et effectivement, vertu éducative ici, c'est pour la question de Charles, hein, j'en profite. Là, j'ai l'impression qu'ils jouent le jeu, en fait, avec toi du roadmapping, ils remplissent en fait leurs demandes et puis c'est automatiquement calculé, quoi. Ouais, bah oui, parce qu'on c'est calculé, c'est visible et ça se met rapidement en contexte. C'est qu'en fait, quand on arrive sur la matrice de priorisation et que la personne voit que son besoin il a été évalué de cette façon-là, il peut le challenger. Il a besoin de dire, mais moi je suis pas trop d'accord, mais on lui dit oui, mais ton ticket nous permettait pas de, enfin ton besoin nous permettait pas d'aller plus loin dans l'analyse. Alors qu'il y a certains tickets qu'on reçoit, des besoins qu'on reçoit et qu'on extrapole. C'est-à-dire qu'on dit, ah non, mais là, attends, il y a une piste à chercher, et là, potentiellement, c'est à côté UX, on va réfléchir, on va aller chercher, potentiellement creuser un peu plus, parce qu'on se dit, celle-ci est peut-être vraiment une opportunité. Donc effectivement, le taux d'utilisation, il est hyper cool. L'acculturation, j'aimerais que ça soit encore mieux, mais c'est déjà bien, on est déjà content. On est déjà content, on a des gens qui l'utilisent, et pas que nous. Quand on voit en fait dans j'ai mis il y a un GA hein, dessus, donc on voit l'utilisation dans le monde, et on voit bien que c'est pas que nous qui l'utilisons et qu'il y a pas mal de il y a pas mal de personnes qui l'utilisent, donc c'est plutôt satisfaisant, ouais. C'est plutôt satisfaisant. En tout cas, merci beaucoup, Vincent. On va s'arrêter. On est un tout petit peu débordé, mais ça va, on s'améliore. Mais merci beaucoup. C'était super complet comme présentation. On a philosophié aussi. Ça nous arrive Ouais, moins. Donc, merci beaucoup. c'est important. C'est important. Et puis, donc, merci à tous les participants. Le replay sera disponible. On a des questions. Donc, oui, le replay sera disponible. On vous enverra tout ça par email. Et merci à tous. Rendez-vous alors, peut-être pas la semaine prochaine. Ça va être la période un peu de vacances. Mais en tout cas, très bientôt pour un autre bourbier. Et merci encore, Vincent. Merci beaucoup. À plus tard. Au revoir.